des moteurs activés. Alors là, je vais essayer de face cap A, sachant que si je suis contesté, je suis mort. Parce que là, je file, donc je suis le navire le plus rapide du jeu, là. Il n'y a pas de problème là-dessus. La question, c'est est-ce que j'arriverai assez vite pour caper avant d'être contesté ou pas? J'en doute. Après, l'ennemi va savoir que c'est moi. Ils vont savoir que c'est le Mogador, ils vont savoir que je suis tout seul. On sait jamais si ça vient par là ou par là. Nous, ça pue le radar pendant pas longtemps. Ouais, c'est bon, il m'a soutenu. On a un point. Boost des moteurs désactivés. Il y a le Fletcher qui vient sur moi. Allez. Allez, on se tire maintenant. Allez, maintenant on va essayer de refaire la même sur B. Je sais pas qui c'est, général machin chose. C'est le Dergross. Bon, j'ai réussi à préserver mon pool de points de vie. C'est important. Je pouvais pas rester là-bas, hein. C'était un coup à mourir. On va attendre le Yugu en embuscade là. Merde.
automatique au moteur. Destroyer ennemi envoyé par le fond. On ouvre le bal. Allez. Problème résolu, chef. Si je meurs et que je shoot les deux destroyers, c'est pas grave. Hop. Ok, allez, un incendie. Oula, le Dervos. Tiens, il a éteint son incendie, le Dervos. Bon, déjà, il n'y a plus de destroyer ennemi. Et nous, on a encore tous nos destroyers. On a l'avantage des points. Faut pas qu'on joue au con. Le Seattle est parti par là. Bon, on va tenter de torpiller de ce côté. J'ai surtout pas du côté du radar. Je suis pas con non plus. Allez, je vais faire le spot. Allez, un petit incendie, ce serait bien. Il a éteint son incendie. Allez, on se tire. Faut jouer avec sa tête, faut pas jouer avec ses tripes. Faut redevenir fufu. Voilà. Donc j'ai réussi à lui en caler deux dans le buffet. C'est pas mal. J'ai détruit un destroyer, j'ai contribué à la destruction du second. Et ben voilà. Et je vous rassure, hein, c'est pas que j'écoute plus de musique, c'est que je garde la musique pour moi, donc j'ai un écouteur là dans l'oreille. Donc dans l'oreille droite j'ai un écouteur, sur l'oreille gauche j'ai mon casque. Et puis go, comme ça. Comme ça vous avez pas ma musique dans les oreilles. Vu que je sais que vous l'aimez pas et que c'est plus facile de mettre des écouteurs dans mes oreilles. Enfin de mettre un écouteur dans une oreille en l'occurrence, que de vous faire aimer ma musique. Allez, YOLO. Allez, on peut y aller, on peut tirer. Avant qu'il m'allume avec ses canons principaux, j'ai de la marge. Vu que la partie va finir avant que j'arrive à le rejoindre.
Voilà, sachant que vu que j'ai capturé une base, j'ai quelques pourcentages d'incendie en plus. Bien, c'est qu'il brûle encore. L'incendie que j'ai déclenché. Donc ça valait le coup de claquer le boost de rechargement. Il brûle plus. Hop, on monte sur les freins. Allez, un petit incendie pour faire plaisir à Papa Joe. La paix, ça aurait pu être utile, je pense. Bon, et c'est le GG. Et hop là. Et oui, je pars de loin. Je partais de loin. J'étais le plus bas possible. Bon, bah ouais, j'aurais gagné au moins un peu de crédit. 155 coups obus, 5 détections, 2 torpilles, 1 destruction, 2 bases défendues, 1 capturée. Le premier kill, presque 5000 XP libre. Presque 16000 XP tout court. Partie plutôt bonne, je pense. En effet, partie plutôt bonne. Donc vous voyez, hein, j'étais le plus mal classé. Je partais de très 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 loin. Très loin. Le Musashi a survécu, mais bon. Ouais. Alors, rapport détaillé. Donc vous voyez, 750 000 points de dégâts potentiels. Hop, le dernier gros, c'est les torpilles. Fletcher. Fletcher, c'est pas mal. Hein. J'ai vraiment mis vraiment pas mal. Là. Voilà. Allez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Ciao, ciao les amis.